Salut à tous les démons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première découverte du jus de mois. Et pour une première en fibres. Enfin, ça y est. Donc, peut-être pas avec cette vidéo, je ne sais pas. Il faut que je change mes presets, puisque bien évidemment, chaque fois c'était pour du 720p. Donc, je vais augmenter petit à petit la qualité. Je vais essayer, hein, je vous promets rien, mais je vais essayer d'augmenter la qualité petit à petit. Hein, soyez un petit peu patient. Donc, on est sur du Slay. Alors, déjà, c'est en français, c'est déjà bien. Bonjour, toi. Allez, on se le tape entier. Donc, effectivement, depuis aujourd'hui même, hein, on a fait le premier live sur Genshin Impact en compagnie de Miss en qualité optimale, on va dire, hein, que peut la PS4. Ok, donc Slay the Spire. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Être franc avec vous, je n'en sais rien. Contrôle, crédit. On va peut-être baisser la musique, on ne sait jamais. Hein. À moins qu'il y ait un mode rapide, désactiver les particules, secousse de l'écran. Ah, ok. Voilà, vous savez le problème hein, sur YouTube. Hein, c'est qu'on ne sait jamais si la vidéo est copyrighté ou pas. Donc ben voilà. Malheureusement. Le reste, ben, je sais pas. Je ne connais pas du tout le jeu. Apparemment, c'est classique. Partez à l'aventure et gravissez la tour. Pour obtenir le meilleur score. Ben, je crois que j'ai pas le choix de faire du classique. Bon bah ben, pour cet épisode, ce sera du classique. Soldat de fer. Le seul survivant des soldats de fer. Il a vendu son âme pour maîtriser des énergies démoniaques. Sang ardent. À la fin du combat, récupérez 6 PV. 5 à déverrouiller. Hein? 5 à déverrouiller. C'est quoi ça? Jusqu'à la prochaine récompense. D'accord. Définir l'acide? Non, on s'en fout, on s'en fout. Comment c'est? J'en sais rien. J'en sais rien. Exord. Légende. Oh là, putain. Ok, donc je choisis. D'accord. Marchand, trésor, repos, ennemi d'élite. D'accord. Alors, inconnu, d'accord. Si là je fais deux combats marchand, d'accord. Là je fais deux combats et après j'ai un marchand. Ou je fais un marchand après j'ai un inconnu. Ok. Bah écoutez, on va prendre celui-là. Hein, on verra bien. Terrassé. Alors pardon, je suis désolé. J'ai un truc qui me gêne au niveau de la gorge. J'en suis vraiment désolé. Alors, je sais pas ce que c'est, 10. Ça a l'air d'être des cartes, machin, option, d'accord. Terrassez vos ennemis en jouant les cartes de votre main. Il vous faut de l'énergie pour jouer vos cartes. Lorsque vous n'en avez plus, mettez fin à votre tour. Au début de votre tour, vous piochez de nouvelles cartes et vos points d'énergie se remplissent. Ok. Jouez des cartes défensives pour gagner de l'armure avant qu'un ennemi ne vous attaque. L'armure réduit les dégâts infligés par l'attaque suivant. Ah, attends, 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 attends. Recommence, calme-toi. Jouez des cartes défensives pour gagner de l'armure avant qu'un ennemi ne vous attaque. L'armure réduit les points infligés par l'attaque suivante, mais s'estompe au début de votre prochain tour. Ok, d'accord, logique. Pendant votre tour, vous pouvez voir ce qu'un ennemi s'apprête à faire au-dessus de sa tête. Si un ennemi s'apprête à vous attaquer, n'oubliez pas de gagner de l'armure. Ok. Ok.
D'accord, j'ai 3 points. D'accord. Gagner 5 points d'armure. Lui, il va faire de la magie. Infliger 8 points de dégâts. Appliquer 2 de vulnérabilité. 6 points de dégâts. Ok. Là, c'est 5 points d'armure. Et là, 5 points d'armure. Eh ben. Eh ben. Ça. Ok. Et je vais faire ça. Fin du tour. Je sais pas ce qu'il va faire. Incantation, rituel. J'ai toujours 3 points. Donc, il va m'attaquer avec 6. Donc, je peux faire ça pour défendre 5. Et ah ouais. Voilà, donc il m'a fait que 1 point de dégâts. Ok, correct. Astuce, plus de cartes. Si vous n'avez plus de cartes à piocher, vos cartes défaussées sont remplacées dans la pioche. Ok. Ah ouais. D'accord, mais oui. Ah ouais, j'ai que 10 cartes, d'accord. Donc il va m'attaquer avec 9. Est-ce qu'après j'ai un petit peu plus d'énergie ou... Ah, il va m'attaquer 12 là, le salopard. Attends. Voilà, c'est mort. Allez hop. Bouge. 17 d'or, ajoutez une carte à votre deck. Enflammé, gagnez 2 de force. Cette carte vous octroie un pouvoir lorsqu'elle est utilisée. Les pouvoirs sont des talents passifs et restent effectifs jusqu'à la fin du combat. Ok. Ah non, d'accord. Si on a épuisé toutes les cartes de votre main, sauf attaque, infliger 16 points de dégâts. Ok. Même pas mal. Gagner 8 d'armure. Et piocher une carte. Ouais. Ok. Ok. De slime. Donc là, il y en a un qui va m'attaquer, qui va me faire 3, et l'autre, il est je sais pas quoi. Et j'ai toujours que 3. Vas-y. Les chouilles. Oh, fragilité. Non. Déjà, toi. Hop, au revoir. Ils vont encore me faire les chouilles, l'autre.
Il va me faire 8. Il me reste 2 points. Vas-y. Allez, soyez indulgents, les gars. Hein. Voilà, si je fais ça. Voilà, on n'en parle plus. Alors, commencez avec ça. Inflige 12 points de dégâts et appliquez 2 de faiblesse. Doublez votre armure. Quand vous jouez une carte attaque, ce tour gagne 3 points d'armure. Oh. Ah, ça, c'est pas mal. 12 points de dégâts, mais celle-là elle est pas mal aussi. Bloque les dégâts jusqu'au prochain tour. Vas-y, je prends une manchette quand même. Une carte incolore parmi 3 aléatoires et ajoutez celle-là dans votre main. Elle coûte 0 à ce tour. J'ai pas compris. Buvez ou lancez des potions pendant le combat, vous gardez vos potions d'une salle à l'autre. Marchand, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Oh, fait chier. Infliger 2 dégâts 4 fois épuisement. Appliquer 3 de faiblesse. Attends. Gagner 5 d'armure améliorée, une carte de votre main pour le reste du combat. Je comprends rien. Ajoutez une carte incolore de votre main. Bombe. Dans 3 tours, infligez 40 dégâts à tous les ennemis. Oh putain. Quand une carte est épuisée, gagnez 3 d'armure. Et de vulnérabilité sur tous les ennemis. Ouais. Ça me paraît bien ça. Elle est soldée. 2 dégâts 4 fois. Bon, écoutez, je sais pas. On va faire ça. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais bon. Ok. Donc, ça, c'est un ennemi. Ok. Il va m'attaquer avec 11 déjà direct. Cinq d'armure, 6 de dégâts. Je sais pas c'est quoi son truc. Il va gagner de l'armure, je pense. Donc je vais faire ça. Et je vais faire ça. C'est peut-être risqué, je sais pas, on verra. Il a gagné en force plus. Ok.
va me faire 10 de dégâts. Ah ouais, merde, il avait une armure. Ah oui, mais non. Ça va faire que 9 de dégâts. Ah ouais. Merde. Il avait encore du bouclier. Ah, ça va faire mal. Ok, alors attends. Déjà 8 d'armure. Donc lui il va encaisser. Et lui il va se le prendre. Ok, c'est bon. Alors colère, infligez 6. Attends, 6 dégâts. Ajoutez une copie de cette carte à votre défausse. Voilà de l'heure. Quand une carte est épuisée, gagnez 3 d'armure. Infligez 5 dégâts 2 fois. Bien ça, mais je comprends pas ce que c'est ça. On va prendre ça. Allez, la potion. D'accord, j'ai pas compris les potions. Comment je fais pour choisir? Ah non, bah non, c'est le combat, c'est le tour. C'est après. Repos ennemi. Ok, d'accord. Je prends là. Larcin. C'est quoi larcin? Vas-y, je vais déjà faire ça. Ensuite. Choisissez une carte incolore parmi 3 aléatoires et ajoutez. Elle coûte 0 ce tour. J'en ai. Bon, je vais. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Attends. Choisissez une carte incolore parmi 3 aléatoires et à ajouter dans votre main. Vu que je sais pas, j'ai rien compris. Ajoutez une carte incolore dans votre main. Améliorez toutes vos cartes pour le reste du combat. Une carte aléatoire de votre main coûte 0 pour le reste, que du, pour le reste du combat. Mmh. Et elle coûte 0. Ok. D'accord. Ok, là je comprends. Donc, gagner 11 armures et piocher une carte. Donc déjà, tu vas pas faire malin. Vu que je sais pas ce que c'est, je sais pas quoi, larcin, je sais pas quoi, la 15. Ah d'accord, il me pique 15, 15... Oh, enfoiré. D'accord. Ok.
Je vais encore me piquer de l'or. Il va me ruiner en fait. Bah non, voilà. Alors manchette. D'accord, je récupère alors qu'il m'a volé et d'accord. Vas-y, on va jouer safe là. Forgeron, amélioré. Alors, vous récupérez 30% de vos PV max. Vu que je suis à fond, ça sert à rien. Forgeron, améliorer une carte de votre deck. Va pour Forgeron. Carrément. Mais en fait, plus tu vas avancer et plus... ouais, d'accord, je comprends. Ouah, 67... Alors, attends. Moi, il y a un truc que... Non. Ah, stop. Séparation. Lorsque ces PV descendent en dessous de 50%, ils se séparent en deux slimes plus petits avec PV restant de slime épineux. D'accord. Et quand vous infligez un effet négatif. D'accord, en fait, il aurait fallu que je fasse ça au départ. Donc, de toute façon, je vais pas pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, autant lui faire manchette. Direct. Il est affaibli. Les cartes vous octroient 25% moins d'armure pendant 2 tours. Affaiblit les attaques, inflige 25. D'accord. Ah, c'est con, j'ai pas fait gaffe qu'il allait me faire les chouilles encore. Ok. Non, ça peut être sympa, hein, c'est juste faut comprendre bien. Là, il va me faire une putain d'attaque. Pourquoi point d'interrogation? Je comprends rien. Ah, il va se séparer, c'est pour ça. Bah non, tu te sépareras pas en fait, tu vas crever. Alors, 5 dégâts, machin. Gagner
Gagnez 2 d'énergie, mais perdez 3 PV. D'accord. Là, si vous n'avez que des attaques en main, infligez 14. Oh! Ça peut être sympa, ça. Honnêtement, c'est sympa. Gagner 8 d'armure et piocher une carte. Ça me paraît bien, ça, moi, je sais pas pourquoi. Chaque fois que vous jouez 3 cartes compétences en un tour, infligez 5 dégâts à tous les ennemis. Les reliques, d'accord, compris. Ah, sauvegarder et quitter. Pardon. 26 minutes de vidéo. Alors, c'est pas le meilleur des jeux pour vous. En fait, non, je vais laisser en pause. Je vais refaire. Je vais continuer tout de suite. Tout de suite suivant. Écoutez, le jeu, il a l'air d'être sympa. Ça a l'air d'être un machin. Tu crèves, tu recommences. T'as acquis des compétences. Enfin, je crois, je suis pas sûr. À vérifier, franchement ça a l'air d'être pas mal. On va voir ça. On va voir ça, je vais continuer, hein. Je vais enregistrer tout de suite le deuxième épisode. Pour la continuité. N'oubliez pas le like, le commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao, bye bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait. Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.